La pause. Alors, jour J, moi, c'est-à-dire que je parle de demain vendredi, hein, ouais, franchement. Nous, on fait toujours le décompte depuis le lundi pour être sûr qu'on va arriver au vendredi. Hein. C'est pas toujours évident. En tout cas, ce qui fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, et je le réitère tous les matins, c'est de savoir qu'il y a des personnes qui nous espèrent, qui nous attendent et qui sont là, justement, pour passer un bon moment avec nous. Ben voilà. Alors, aujourd'hui, je suis en mode Nadia K, qui est une grande créatrice de mode ici au Togo, reconnue sur le plan international, sous-régional également. Et ça va être avec un grand bonheur qu'on va partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, jeudi, on devrait normalement avoir un débat avec le grand professeur, le plus intelligent de tous les sages. Mais il est presque là. Mais il est presque là. Merci beaucoup. Il est presque là. Voilà. Et il sera là de toute façon avant la fin de l'émission. Si tout va bien, on touche du bois pour ça. C'est très important. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, on parle cinéma avec celui qui vient juste d'enlever ses lunettes, M. Joël Missiboukwa, qui a lancé depuis quelques jours une énième formation à l'endroit des jeunes amoureux du cinéma et du 7e art. On va débriefer justement cette formation aujourd'hui avec lui. Et si on a beaucoup de chance, bah écoutez, on va peut-être tester les connaissances cinématographiques de Miss Martha, qui à défaut nous parlera de mode. Voilà, elle est là, elle est bien, bien, bien assise, tout le dos il est droit. Je sais que tu aimes sortir à la télé, mais relax. Hein? Mata, relax. Relax yourself. Just relax yourself. Hein? I don't look relaxed. No, you look like... Je ne sais pas. Dit-il. You look this way. You see, all like right. Jocund. Uh-huh. So now it's a little bit better. Comment vous allez? Ça va très bien. Et toi? Are you okay? Yeah, I'm tired, but I'm okay. I can see that. You were winning so much money in those days. Huh? Amen. You are very tired. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Répète un peu. Elle a dit, I am tired. Non, elle n'a jamais dit tired. Moi, je suis plus choquée. Non, ne fais pas ça. Hein? Mais elle est anglophone, je suis francophone. Moi, je ne fais que lire ce qu'elle est en train de prononcer. Non, tu dois le parler, cet anglais. I am tired. Thank you. Donc, tu pouvais faire ça là depuis. Yes, mais même I am tired, là, est-ce que c'est ce qu'on dit, I am tired? Oui, I'm tired, yeah. Ça se dit de manière un peu plus versatile, like I'm tired, I'm tired. Bon, moi, j'ai lu, je suis, I am tired. Non, laisse tired, là, on va dans... Pour les enfants qui vont faire les examens, là, ils n'ont qu'à savoir que c'est, on l'écrit avec T-I-R-E-D. Qui se lit tired? Qui se lit tired? Merci, professeur. Ouais, dis donc. Même l'anglais a peur de toi. Anyway, alors, mon unique idée. Oui, ma très chère, mais j'adore ton jaune. On a fait pareil. Très c'est jaune, jaune, blanc, blanc, noir, noir. Exactement. On a tout marié aujourd'hui. Ça, c'est normal. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on est le jeudi. Bienvenue dans ce numéro de La Pause et bien sûr, le professeur, il est presque là, mais soyez toujours d'accord. On va le recevoir tout à l'heure. Pourquoi tu ris même, hein? Pas bien. Ça rassure pas, en plus, ton lit d'aujourd'hui, ça fait peur. Tu ris comme dans un film d'horreur. Et puis l'accentue, hein? Oui, comme quelqu'un qui prévoit de faire quelque chose de très louche et qui est fier de ce qu'il va faire. Ça, c'est, franchement, c'est la substance des films d'horreur. Exactement. Peut-être qu'il faut qu'on fasse une émission spéciale film d'horreur aussi. Pourquoi pas. Tu te rappelles Chucky, la poupée, machin? Il y a des films, on n'oublie jamais. Oui. Il y avait Chucky. Chucky, je sais pas. Avec sa seconde-là. Ils ont fait Chucky, son 1, son 2, son 3. Voilà. Récemment, j'ai vu un autre Chucky, j'ai dit les mais gars. Chucky a grandi, hein. Il a même un enfant. Chucky a une femme. Chucky a un enfant. Ouais. Oui. La poupée. Il savait même pas qu'il a eu un enfant. Chucky, personne n'est fait dans cette émission. Hein. Non, on va rien faire du tout. On peut en parler, c'est vrai. On peut en parler. C'est l'horreur que vous faites tous les matins ici. Est-ce que vous avez encore, c'est vrai. Il faut en rajouter. Est-ce que vous avez encore besoin qu'on vous passe des films d'horreur? Parce que nous seuls, on suffit. Hein. Ah oui. Il suffit de passer 1h15 avec nous. Exactement. Vous avez vu tout l'horreur du Togo mise en œuvre. Ah voilà. Mais on l'adoucit quand même un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, justement, on parle cinéma et mode. Et au-delà de ça, on va retourner sur ce grand concours qui a eu lieu et qui a fermé justement ses portes à l'Institut français il n'y a pas longtemps. Voilà. Le grand lauréat, le repartant avec tous ses lots extraordinaires sera avec nous dans cette émission. Et j'ai justement cette grosse curiosité d'apprendre de lui comment slammer à la perfection, comment partir dans une parfaite innovation, improvisation et vous sortir un test qui cadre avec l'actualité, qui reste très engagé et qui surtout vous montre l'art de manier les mots. Mao, je suis forte. Applaudissez pour moi. Hey ah, là, 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 là.
Non, mais là, la maman de Joseph Pazé. Non, mais moi, tu sais, je te l'ai prouvé toujours que tu es la bonne femme. Hein. N'est-ce tu es pas, la bonne mon femme unique, au foyer. Tu donc, es la seule Yannick, unique. Lui, depuis, il est largué, en fait. Il sait pas. Bonjour, monsieur à la cuisine. Bonjour, moi, j'écoute. Ah ouais? Bah, j'écoute ce que vous dites. Et qu'est-ce que tu as entendu, en fait, si tu écoutes? Ah, que tu es une bonne femme et tout ça. Ben oui. Et au-delà de ça, on a dit beaucoup de choses. Hein. Bon, c'est ce qui a attiré mon attention. Tu es une bonne femme. Et puis le tiret de... C'est ça qu'il n'avait pas oublié ton tiret. Monsieur Tiret. Alors, Miss Martha, what are we doing this morning? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... OK, aujourd'hui, là, tu es venue. Hein? Tu ne réponds plus en anglais. J'ai déjà parlé l'anglais. Non, pour aller en anglais, pour expliquer les choses comme ça. Mon père m'a toujours dit. Ne me demandez pas la traduction après. Non, ne don't worry for that, Joël va traduire. On n'a jamais demandé la traduction. So... Today we're going to talk about how to dress up in the professional domain. Yeah. Joël, c'est ton tour. C'est mon tour déjà. Non. Tu as dit? Bah dis donc, c'est délicat. Bah tu sais, tu peux le faire avec la personne à côté de toi. De toute façon, c'est ton traducteur. C'est lui qui a dit ce que tu as dit. Je ne suis pas dit. Alors moi, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller de manière professionnelle. Voilà. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. On reste dans le cadre professionnel. C'est un très bon sujet parce que beaucoup de personnes nous demandent justement comment choisir les tenues adéquates pour chaque circonstance, chaque situation. Et il y a des gens qui n'ont aucune notion justement de déjà des circonstances. Effectivement. Oui. Quand tu dis « Famijo, oh, ah oui, yéyé, le frémissoir voilà, », on ne cherche pas à savoir si c'est une tenue de jour, de ville, ou de soirée. De soirée. Oui, même les tenues de soirée, il y a différentes soirées. Il y a soirée cocktail, il y a soirée soirée, vraiment. Il y a soirée nuit. Classique, voilà, justement. Il y a boîte de nuit. Oui. Effectivement, mais j'ai une surprise. Est-ce que je peux l'appeler comme ça pour vous? Mais je vais vous piquer un tout petit peu. Il n'y a pas de souci. Pique-nous. Parce que la dernière fois, on avait fait un débat assez lourd. Ah ouais. Si. Et là, on va ramener, on va ramener quelque chose comme ça encore aujourd'hui. C'est le pretty, pretty beautiful. Pretty privilege. Voilà, pretty privilege. Can you just give us a smile? Oh, thank you, Martha. You look very suitable. Very you smile, hein? Bon, le smile a été caché par les cheveux, mais bon, il y avait un smile en dessous, hein? Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va juste implorer la présence des entités ici aujourd'hui. Nous sommes jeudi. À défaut de l'avoir lui-même, le professeur, il nous envoie quand même de bonnes vibes. Attends. On doit garder l'écran des voilà, d'Afta là derrière nous. Tu sais, il faut refaire le plan C. Le plan C où l'écran est derrière, pardon. Voilà, est-ce que vous pouvez juste... merci wow. beaucoup. C'est beau ça. Vous voyez comment il faut faire le bon choix des femmes. Faut l'acheter, hein. Faut l'acheter. Vous voyez, ouais, il faut l'acheter. Merci mon unique idéal. Ah ouais, alors, bon, maintenant on va réellement commencer cette émission, hein, franchement, parce qu'on a bavardé encore un peu. Ah ouais. On vient d'enlever 10 minutes. Ouais, on va dire ça comme ça. Dire, oui, si. Juste pour vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue dans cette émission. On décroît la prison. On va partir avec la première rubrique. Je crois qu'on va rester sur Bizarre avec Menteur Ambulant. Et on va juste, waouh, mais sauf que s'amuser, quoi. Ah je vous promets. Bizarre. Nickel. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements des chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Voilà, on est à l'antenne et le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour participer à cette émission. Croyez-moi, ah ouais. Franchement, on vous veut aujourd'hui juste pour passer ou partager notre bonne humeur parce qu'on en a suffisamment à revendre. Hein. Exactement. Et si vous avez un petit souci, un petit bobo, après ouais. Vous dites, bon, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, il ne fait pas très, très beau sous mon toit et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vous promets qu'après cette émission, vous aurez de l'engouement, vous aurez envie de vivre et de vivre jusqu'à... En plus, on est en train de lancer voilà. La grande saison des fêtes de fin d'année. Noël. Est-ce que quelqu'un a déjà aperçu un sapin quelque part dans le métier? Eh non, hein, parce que l'histoire, si est chaude. Ouais. Je l'ai vu dans mes rêves. N'est-ce pas, Martha? Ben, hier, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai décoré tout le salon. Toi, tu as décoré super. Le salon. Tu es riche, je te jure. Elle est optimiste. Hein? Non, bah oui. En fait, ce n'est pas ça. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris. Oui. J'ai juste, je me suis levée. C'est la fièvre de Noël. Non, même pas. À la maison, ils n'ont rien compris. J'ai tout décoré. Tu as tout décoré, like, couleur de Noël ou... Oui, les guirlandes, les lumières, j'ai tout mis. Merci. Ah ouais? Deux sapins à côté, j'ai tout mis. T'as... Bon, OK. T'as utilisé quoi comme accessoire alors? Ça, oui, les guirlandes, là. Ouais. C'est qu'on prend pour enrouler déjà. Les lumières de jeu façon. Il y a des sapins en couleur rouge et vert que j'ai mis à côté de la télé. Et puis quoi encore? Des petits beaux, taille beaux, façon que j'ai mis un peu partout. Dis donc, toi, tu es déjà prête pour Noël, de toute façon. C'est vrai. Alors, mesdames et messieurs, officiellement, cette année, hein, nous allons célébrer chez Miss Martha. Voilà. Vous êtes invités, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Exactement. On vous envoie juste la géolocalisation et puis elle cuisine super bien. Elle, au moins, elle a le moyen de fêter. C'est déjà ça. Hein? Ah ben oui, c'est nous, ça. Nous, on n'a même pas senti l'odeur d'un sapin. Même pas, même moi, j'ai oublié. Son artificiel, même, on n'a pas vu. J'ai oublié. Demandez-moi pourquoi j'ai décoré chez moi. Mais pourquoi? Quand j'étais sortie, j'ai vu la ville, c'était trop dépressif. Ouais, c'est vrai. J'ai dit non, mais je peux pas. Donc, fallait que je change quelque chose au moins chez moi. Quand je me réveille, je ne peux pas ramener cette dépression-là chez moi. Je suis désolée. Bah ouais, c'est vrai, les gars. Franchement, c'est triste. Avant, déjà, mi-novembre, on avait quelques décorations. Déjà, les boutiques sortent déjà les sapins. Quel mi-novembre? 1er novembre. 1er novembre, on écoute déjà des morceaux de Noël. Des morceaux de Noël, oui. Allez, franchement, il faut qu'on sorte ça. L'élément contraire que moi j'ai eu, c'est des signaux assez forts. Parce que depuis le début de cette semaine, les enfants reviennent qu'avec des dessins de sapins. Ah ben à l'école, au moins ça. Ça veut dire que ça s'annonce dans ta maison également. À l'école, au moins. Mais je pense que jusqu'au 1er décembre, au 10 décembre, les dessins que les enfants sont en train de faire, on pourra en faire toute une décennie. Donc, ça fait beaucoup d'économies. Cool, on n'aura plus besoin d'aller faire des achats de guirlandes, de sapins et tout, parce qu'on pourra quand même, avec tout cela, décorer le sapin. Parce bon, que après, il ne faut pas fatiguer les enfants aussi. Oui, acheter un sapin, c'est pas ça. Noël, c'est pour les enfants. Justement, pendant cette période, il faut les fatiguer un peu. Bon, écoutez, franchement, il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper avec cette fièvre de Noël. C'est une fête qui reste très symbolique. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, mais moi, je me rappelle très bien, mon père, il faisait la décoration dans toute la maison. On avait une grande table comme ça qu'il sortait, qu'il mettait dans la cour, dans le jardin. Et le jour de Noël, la veille, le jour et le lendemain, c'était un repas, mais festif, avec tous les petits-enfants. Et si quelqu'un veut s'inviter, il n'y a pas de souci, vous venez. Il y avait des chansons, Feliz Navidad, qui passaient. Et lui-même, il a agrémenté un peu avec du Julio Ecclesiastes. Il connaît. Puis bon, c'est ça. Bon, quand il met ça, il sait que le 13e mois est tombé aussi. Oh, voilà, je te jure. Je t'assure. Mais ça nous a fait vivre. Et puis, en ce temps, il y avait... Bon, aujourd'hui, c'est interdiction formelle, mais en ce temps, il y avait les pétards. Ouais, et puis bandits. On vous en achète et puis on vous met au milieu. Les bazookas sortent. Bandit, Sama, bazooka. Après, tout est blanc et puis vous savez que... En tout cas, il ne faut pas couper avec ça, franchement. Nos enfants ont besoin de savoir ce qui se passe quand on parle de Noël et de Noël. Exactement. Et même si vous n'avez pas les moyens, essayez quand même, hein, à hauteur de ce que vous avez, de leur faire vivre ces moments. Parce que ça va rester des souvenirs qu'ils vont devoir transmettre de génération en génération. Exactement. Il ne faut pas leur faire croire que Noël au Togo, ce n'est pas bien. Il y a trop de personnes qui sont pas bien. Maintenant, oubliez le plus important, les petites cases en claque. Dans les quartiers. Exactement. Les gens, ils allaient jouer sa femme. Papa et maman, j'étais dit. C'était beau. Anyway, c'est pas grave. Tu vois, Martha? Je suis larguée.
Il y avait, ils font des cases. Mais parce que Philippe pas ici. Les branches de palme. C'est palme, non? Oui, de palme. Pour faire quoi? Oui, c'est des maisons. C'est des maisons et puis on décorait. Ce sont les enfants qui faisaient ça dans le quartier. Ah, pendant Noël? Oui, il y a aussi. Il y a des tunnels dedans. Oui, et puis c'était amusant. Il y a des tunnels dedans. Seigneur, je dis, je vais devenir petite encore. Allez, joyeux Noël à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Nous, on commence déjà à partir de la semaine prochaine à vous annoncer les couleurs. Et vous pourrez également, je le dis, je vous vois un peu le voile, participer à cette émission et gagner de nombreux logis. Ça vous permet de bien fêter comme cela se doit. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Rien ne peut empêcher l'idée dont le temps est arrivé. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 7 d'un 11 d'une année qu'on appelle 2021. Je viens de donner ainsi la date d'aujourd'hui pour ceux qui s'y connaissent dans... Le 7 d'un 11 d'une année qui s'appelle 2021. Le 7 ou le 27? J'ai dit 7. Non, le 7, je le 11. C'est 25. Maintenant, nous demande de calculer. Vous n'avez rien compris. T'as compris? Je vais comprendre. Le 7 d'une année? Le 7 d'un 11 d'une année qui s'appelle 2021. Le 7, 7 plus 11. Dès que Mantel a été en 2000 secours, elle est belle. 7 plus 11, ça fait 26. Aujourd'hui, on est le 26. 7 plus 11, c'est 26. Aïe, ça fait 18. Aïe! Ah, mais oui, on est parti dans tous les sens. À quoi tu joues là? Aujourd'hui, nous sommes les 40e du mois. Le 25. Le 25, oui. 2 plus 5, ça fait 7. Oui. C'est un 7 d'un 11. 11, c'est le 11e mois. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'une année 2021, c'est une question attends, de... Attends, stop. Ouais. Non, je n'ai pas compris le calcul parce que... 12h45, c'est pas le 5, non. J'ai compris. 2 plus 5. Ça fait 7. 7. Oui, mais le 2 sort d'où, en fait? Oui, 25, ça fait 2 plus 5. C'est une façon de parler, là. Oui. Ah non, tu as mis le 2 plus 5. Oui, comment moi, je peux savoir que le 25, c'est pas pour additionner? M2 plus 5. C'est cool. Alors, aujourd'hui, c'est le... Nous sommes un jeudi, hein? On va revenir. Jeudi, 7 plus 11, ça fait 25. Ah ben, c'est ça, hein, il faut... On va pas rester dans la pensée hegelienne à tout moment. Heureusement qu'on est à la montée. Je vais faire un truc, pardon, je vais te couper. La moitié de 4 plus 4, ça fait combien? C'est moi qui veux dire que je suis... Attends, je te comprends pas. Non, mais juste... Ça fait 6. La moitié de 4 plus 4. Yannick. La moitié de 4, ça fait 2, non? Plus 4. Non, il y a des questions compliquées. On va laisser aux invités. La moitié de 4, ça fait 2. Justement, on va laisser aux invités. La moitié de 4, ça fait 2. Oui, ça fait 6. Ça fait 6, la moitié de 4, ça fait 2. Et toi, tu cries. Eh oui, c'est pas ça. Mais ils sont tombés. Non, ils sont tombés dans le piège, en fait. Vous avez posé quelque chose parmi les invités là-bas. Ils sont les invités présentement, les gars. Quelqu'un veut répondre? La moitié de 4 plus 4. Oui? Venez. La moitié de 4 venez. Je ne veux pas que vous restiez là-bas. Venez. Alors aujourd'hui, on a justement nos amis d'AFTA qui sont là. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a encore l'écran derrière nous? On vous parle d'un écran intelligent pour les conférences, pour les formations, pour les cours également. Et là, on a commencé les cours. Justement, on vous illustre. La moitié de 4 plus 4. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, on va faire face à la caméra. Au peuple. Alors. Bang, bang. Attendez, on va faire le générique. Alors. Bang, 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 bang. État-major. Maintenant, dis-nous. La moitié de 4 plus 4, littéralement, c'est cette affirmation. Ouais. Mais quand on voudrait faire une transcription mathématique, on pourrait écrire entre parenthèses 4 plus 4 divisé par 2. Voilà. Donc, 4 plus 4 dans la parenthèse, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4. Maintenant, si vous voudriez qu'on fasse d'abord le calcul, c'est-à-dire on fait la moitié de 4. Mmh. Maintenant, plus 4, ça veut dire que vous pouvez trouver 6. Mmh. Donc, c'est une équation à réponse variable. Voilà. Ça dépend de votre transcription. Non, mais menteur, il ne faut pas dire que c'était faux. Ah, doucement. Est-ce que au moins vous avez compris les trois situations qu'il a présentées? Justement, je voudrais lui poser la question. Vous avez fait l'économétrie? Oui. J'ai rassemblé tous les tris. C'est choquant. Vous avez défini. Ah ouais. Vous avez fait une équation, mais cette équation sur trois.
trois formes. Hein. Okay. Ben oui, hein. D'accord. Regarde. Non, ben c'est... Joël, on ne va pas te c'est demander l'équation, quatre l'équation. Mois. Si. Ah. Non, je sérieusement. L'équation des... Est-ce qu'on peut remercier, monsieur? La moitié de 4. Oui. Ça fait 4. 4 sur 4. Oui. Ça fait 1. 4 sur 4, ça fait 1. C'est 4 divisé par 2, déjà. Divisé par 2. C'est quoi ton histoire, là? Ça fait 4. Bon, attendez, on va voir Joël. Yes, venez, venez. Voilà. Alors, Joël, il met 4. Oui, vas-y. Je mets 4. Divisé par 2, ouais. Divisé par 2. Mm-hmm. Nous donne 2. OK. Jusqu'ici, ça c'est va. La moitié de 4. Voilà. Maintenant, uh-huh. La suite, c'est quoi? Plus 4. Plus 4, plus 4 maintenant. Bon. Il n'y a plus de place. Plus 4. Oui. Ça me donne 6. Ben oui, je suis dans une logique. Hein. Alors, c'est ce qu'il a dit. Littérairement, c'est comme ça. Ouais. Littérairement, c'est mais comme ça. Mais quand on va en mathématiques, c'est différent. Ça donne 4. Oui. Oui, il y a un autre champion ben qui veut... Oui, tu veux rester dans la littérature. Tu veux encore venir dans... On va remercier monsieur. On s'en trouve tout à l'heure, justement, par cet écran. Bon, alors, le grand champion Calvez Challenge, édition numéro 12, il est avec nous. Oui. Et lui, il a une autre réponse. Oui, on va voir si pour lui, va donner 100. Okay, bonjour. Bonjour. Bon, avant d'être... slammer, j'ai fait les études en mathématiques. Excuse-moi. Hey, donc, maman, viens t'asseoir parce que la mathématique est transportée. Il y a des signes qui sont prioritaires en mathématiques. Uh-huh. Donc, il y a la division et la multiplication. Yeah. Donc, en toute équation, quand il y a division et multiplication, oups, il faut privilégier voilà, la division ou la multiplication. Monsieur Cody, à l'argent, tu as payé pour l'école. La moitié... donc, la moitié de 4 plus 4, c'est ça, non? Uh-huh. La moitié de 4 plus 4, quand on écrit ça en expression mathématique, on aura 4 divisé par 4 plus 4. Donc, dans cette équation, il faut privilégier... La division. La division. Ah, yeah. Donc, il faut faire d'abord la division. Avant d'aller sur les autres. Je suis intelligent. Non, tu sais, je vais vous dire quelque chose. Les gens pensent que le langage de mathématiques est différent du français. Les vrais mathématiciens sont ceux qui comprennent mieux le français. La langue. Tout à fait. Pour moi. Non, je ne sais pas, les mathématiciens, ce sont des très forts en français. Avant, oui. Et en anglais. Est-ce que tu sais qu'à la télévision togolaise, il n'y a que des génies qui bossent ici? Si, c'est normal. Il y a monsieur Bruno qui est dans le studio. Si on lui demande 4 divisé par 4, il va nous dire. Il a fui, tu vois. Franchement, merci beaucoup. Alors, on va le retrouver, je vous en reste. Il y a le micro, on va le présenter en même temps justement, avant qu'il ne parte, menteur. Alors, il est le champion de la Champion Slam, Papoz, de la Coupe Nationale de Slam 2021. Oui. Mais avant de revenir à Nazir, si Innocent a l'élément, on peut y aller avec l'élément et on revient sur le champion. Bon, on applaudit Nazir quand même pour... Bravo. Bravo. Innocent, image, c'est parti. La 12e édition a une particularité parce que nous accueillons des pays très très lourds. Mesdames et messieurs, ce soir, vous allez voir où nous allons tous apprécier des talents dans le domaine du slam qui sont là particulièrement pour vous parce que vous en avez besoin. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir tous ces candidats, tous ces artistes-là qui vont se produire sur scène ce soir. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Encre des Étoiles, s'il vous plaît. Je suis l'étoile. L'étoile conçue dans l'âme, du lac aux larmes de mes mères. Elle nous vient de la Belgique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sarah, s'il vous plaît. Insomnie hors du lit post-conflit. Nous étions 1000 dans le centre de la ville et la plupart d'entre nous a fini au chenil. Veuillez accueillir Diarapa, s'il vous plaît. Quand la tempête emporte les peu de graines qu'on allait semer, il n'y aura plus de récolte, autrement on doit se débrouiller.
Les pions, les dents, dis-donc, les pompes, y'a tout. Les loups, l'on va avec la dressique, y'a là. Yao, yao, hé, Togo, tu connais la zone paradiso. Tout a commencé quand les créatures veulent devenir le créateur. Tout a commencé avec l'avènement de Adoukounou, ton mettant le faux. Hier, ma petite sœur Miguel a avoué à notre mère qu'elle était amoureuse d'une personne handicapée. Hier, mon grand frère DMC a ramené une petite amie. Des flammes qui s'éloignent, oui, j'ai vu. J'ai vu des lumières dans la nuit, des tribus de lumière enfouies. Ne sont-elles pas toutes nées de moi? Ici, dans ma capitale, la souffrance demeure un vaillant capital. Encore faut-il qu'on soit tous du RP Tunir. RP Tunir, même origine, mais pas la même Tunir. Orpheline d'humanité et riche d'hostilité. Immense, celle est ma peine, mais c'est vous qui l'a causée, car vous préférez la... Quant à ma main, elle disait, ben, la force de la tête ne s'arrête qu'à l'information. Et toi, puis tu fais le chemin rien que par exécution. Et c'est moi, la main, qui fait tout le travail. Que le monde serait si beau et mieux à vivre si les artisans, les paysans ne sont plus maltraités, traités comme... Il s'applique à l'héroïdor. On a refait ses qualités qui a ses dents. Au carrefour du dogmatisme, les religieux se font la guerre. Au nom du fanatisme, chacun crée son propre enfer. Mais... Vous dites de Miss Kevo qu'elle est vulgaire, qu'elle est sans valeur. Au milieu de nos échanges, on s'engage sur la voie publique, s'engage. Ferme, tu es descendu à bâton rompu. Le robinet coulait comme une pompe à puits. À l'air libre, oh que c'est agréable. C'est en ce moment que tu te réveilles, dans une piscine aux senteurs d'éveil. Je l'ai mouillé. Quoi? Mon lit. Ils ont torturé les chairs et trituré le plus noir en l'âme humaine. Un peuple a saigné et moi je suis là à culpabiliser de ma petite peau d'européenne. C'est mieux, je ne parle même pas que toute façon. Ça ne mène nulle part, mais pourtant parle. Merci, merci à ce charmant public. Merci pour votre patience. J'ose croire que les membres de jury sont prêts. Merci à la présidente fondatrice du marché Kakabili, que je vous demande de vous assurer aussi. Merci à tous nos invités qui nous viennent en fait du Canada, de la Belgique, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Togo, bien sûr, de la Mantolande aussi. Ovationnez nos... Merci. Donc, suite à la délibération du jury, nous avons retenu, et ce qui nous a été demandé, les trois premiers. Donc, nous allons commencer par le troisième et finir par le premier pour cette édition Calebas Challenge. Donc, le troisième lauréat est Moudiab. En deuxième position, sous ovation, Abraham. Et pour finir, le champion de cette édition, premier, c'est Nazi. Nazi! Quand même remercier d'abord le public, les organisateurs, les participants, tout le monde
a mérité quelque chose. Et je crois que ça a dû être un peu difficile au jury de départager les uns et les autres. Tous ceux qui n'ont pas eu de prix aujourd'hui, je crois quand même qu'ils méritent un grand applaudissement du public. Je félicite aussi les gagnants de ce soir et je les exhorte à porter haut le slam du Togo et à nous représenter dans d'autres contrées, à d'autres événements pour que le nom du Togo soit toujours porté haut. Bada, benahina mlo, lava klom ya fide, nanye bebi bada, benahina mlo. Je vous remercie. Félicitations à tous. Mesdames et messieurs, je vous prie, je vais vous demander d'accueillir le grand champion de Calebasse Land édition 12, Monsieur Nazir. Nazir. Nazir, si tu crois que tu es venu ici pour t'asseoir comme tu as menti, hein, le gars. C'est l'entrée ou la sortie phénoménale que tu as eu à faire pour venir lorsqu'on t'a appelé à l'Institut français. Tu ressors et tu refais la même chose et tu viens ici et tu nous fais le test qui justement a permis de remporter cette grande distinction pour le compte de la 12e édition. On le fait. Comment on va applaudir notre candidat? Nazir. Ok. Je fais le choulard quand je bois dans la calebasse, en fait. Donc, je vais boire dans la calebasse. OK. Ah bon, il a bu. Ah. Faut pas mouiller le lierre. Wow. Pourquoi me regardez-vous ainsi sans parler à haute voix, hein? Vous murmurez votre patois que même ma bouteille n'entend pas. Ah, vous voulez savoir qui je suis, n'est-ce pas? Je suis le soulard qui saoule là. Vous savez, un jour, j'ai surpris une dispute qui m'a fait râler. C'était tel le martial entre les disputes de Galilée, ce combat infernal entre les membres de mon propre corps. On dit que les mots sèment la confusion, mais ici, personne n'accepte le tort. Entre mon pied et ma tête, c'était du corps à corps. Mon pied ne voulait plus du leadership de ma tête. Il ne voulait plus être un pied, mais plutôt devenir une tête et porter aussi une casquette. Ma main et l'autre disaient, la force de la tête ne s'arrête qu'à l'information. Et toi, pied, tu fais le chemin rien que par exécution. C'est moi la main qui fait tout le travail. C'est moi qui devais mériter le plus d'honneur. Hein? Bon, finalement, tout le monde voulait devenir ma tête. Et personne ne veut accepter sa position et l'assumer. Comprendre que la taille de chaque doigt est utile dans le coup de poing. Que la tête veut aller, mais c'est au pied de marcher. Que les mains veulent faire, mais c'est aux yeux d'être ouvert. Et que c'est cette diversité qui fait la société que moi je suis. Hein? Société, non. Ce pays que moi je suis. Pays. Ah, c'est cela que moi je suis. Oui, je suis celui qui sait qu'il saoule l'art. Les soulards qui prêchent dans la cathédrale. Donne-moi la main pour que je continue. Alors, mais qu'est-ce que ça fait si je décide de prendre mon tchakbaloché, ma zalou, accompagné de ma chérie et Sowereo Alomé, avant d'aller bêter à des médecins chez Kokolia Bassar. Qu'est-ce que j'adore à Blanjo Foufou, plaît d'étirer de Atoupinan. Je vous parle pas de mon corps de rôde d'hier, hein, mangé avec Ado TV après le match des Vala. Hein. Donne-moi la main pour que je continue. Hein. Je suis le soulard qui prêche dans la cathédrale. Alors, mais bien sûr qu'on peut tous manger yéké de datoutou, toutouvi, adapan. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez,
Nous n'avons rien d'autre que ceci, hein. Vous avez moi, et moi je n'ai que vous. Alors, je suis peut-être le fou, l'ivrogne, le handicapé. Mais s'il vous plaît, ne me rejetez pas. S'il vous plaît, votre amour pourra peut-être me changer. J'ai peut-être l'air sale, mais s'il vous plaît, veuillez m'accueillir dans votre monde, s'il vous plaît. Ne me rejetez pas. Incluez-moi dans votre société, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nazir, le fou qui prêche dans la cathédrale. Le soulard qui prêche dans la cathédrale. Oui, mais là, j'ai pas vu la différence entre le soulard. Et anyway, c'est ouais. Le soulard qui prêche dans la cathédrale. Franchement, j'ai vu un talent qu'on n'avait pas dévoilé durant toute la Champions League. Merci beaucoup. Et la comédie. Exactement. Le cinéma. Est-ce que tu as vu un acteur confirmé? Si. Non, mais il faut pas négliger le fait que c'est mon poulet. Et non seulement... Bah, vas-y, on a dit de parler, là. Après le sacre, son trophée ici présent, et il fait partie de cette vague que le Festilum lui a offert, de cette vague de formation où il fera soit le rôle principal ou le rôle secondaire dans le prochain film d'après... à la fin de la formation. Donc, actuellement, ils étaient en formation. Ce matin, ils étaient en formation avant de quitter la formation pour arriver. Bravo, franchement. Et je pense que dans le film qui va arriver sur lequel on est en train de travailler, où il a aussi travaillé sur le scénario, puisqu'il a beaucoup de choses à donner. Exactement. À la fin du film, il y aura un monologue qui va revenir, où justement le rôle de ce soulard-là va venir, aussi. Puisque dans le théâtre, le fou de la société ou le fou de la place publique, c'est lui qui vient recadrer un peu les déviances ou les dérapages de la société. Donc, c'est quelqu'un qui est très accompli et je recommande d'investir dans ce genre de projet. Absolument. C'est ce que je voulais dire parce que ce n'est pas seulement ce côté comédie qu'on peut retenir de Nazir, parce que Nazir dégageait quelque chose. Nazir avait effervescé quand même le public. Il a une certaine personnalité qui passe pas inaperçue. Mais si vraiment, tout à l'heure, on va le lancer. Mais je vais lui poser la question de savoir comment tu t'es découvert ce talent? Parce que j'ai quand même compris qu'au cours de la Champions Slam Pose, tu avais quand même ce jeu d'acteur-là que tu mettais un tout petit peu dans ton rôle de slammer. Il avait joué avec une perruque aussi, une fois. Exactement, c'était lui. Mais comment tu t'es découvert ce talent? Et comment tu arrives quand même à embrasser... À mettre le tout ensemble. Oui, si. OK. Bon, déjà... J'ai grandi en me retrouvant... Je me suis voir grandi... j'étais en train de me voir grandi dans ce monde parce que si vous demandez, par exemple, à un poisson, pourquoi est-ce qu'il est poisson ou pourquoi il arrive à se retrouver bien à l'aise dans l'eau, il ne saura pas répondre. Seulement, il va vous dire qu'il est quand même à l'aise dans l'eau. Donc, pour dire que l'art, généralement, que ce soit le théâtre, le cinéma, le slam, la musique, tout et tout, c'est un monde dans lequel j'arrive à me définir, moi. C'est là où je me retrouve, en fait. Et j'ai toujours dit que l'art, ce n'est pas une passion pour moi, mais c'est une vocation. Et chacun de nous devrait quand même découvrir, bien connaître sa mission sur Terre et y travailler. Donc, moi, ma mission à moi, ça passe par l'art, en fait. Alors, j'ai une question. J'ai une question qui ressort de la réponse que vous venez de donner. Vous avez dit que votre mission à vous, c'est l'art. Alors, cette mission devrait vous emmener à quel niveau? Quel est votre objectif que vous poursuivez? Très bien. Mes objectifs sont grands. Mais déjà, c'est un exemple d'objectif. Déjà, quand vous suivez cette prestation d'un soulard qui prétend prêcher dans une cathédrale, et vous voyez, il parle à la fois du leadership,
où on parle de le pied qui veut devenir la tête, tout et tout, voilà. On sent le leadership et on sent une personne marginalisée, mais qui veut quand même... rester dans cette société. Voilà, et être aimé dans cette société. Donc, le grand message là-bas, c'est l'amour, en fait. Vous voyez ? Donc, la finalité, je ne saurais le dire, parce que c'est une vocation, en fait. Vous voyez ? Donc, la finalité, je ne saurais le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que durant le parcours. Ça va être une belle aventure. Tout à fait. Absolument. Ah ouais. Magnifique. Bravo. J'aime bien. Alors, non, non, attendez, on va sauver les deux derrière là-bas. Il faut qu'ils posent aussi des questions. Nous, nous sommes marginalisés. Ouais. Ouais. Non, non, vous êtes marginalisés maintenant. En plus, c'est vous qui êtes à côté de la bonne bouffe. Tout à l'heure, on viendra vers vous. Hein. Oui, c'est y a pas de problème. On est en train de mettre ici. N'est-ce pas? C'est très fort. Alors, Miss Martha, so, we just have a question for our guest. Moi, j'aimerais savoir. À part ceci, est-ce que tu fais autre chose? Bien sûr. Ben, j'ai même pas encore eu le temps de me présenter. Alors, j'adore l'artiste. Présente-toi. Très bien, vous le permettez. Oui. Allez, vas-y, vas-y, oui. Tu as toute la piste. Oui. Oui, oui, oui. Mmh. Je m'appelle Anato Victor, fils de Anato Akwete, petit-fils de Togwe Adanto, descendant de Mama Bokna. Je viens de Tokpa Iso, Grand Popo, et les ancêtres ont quitté Alada. Je suis artiste slammer, écrivain, poète, metteur en scène et acteur. Je suis également musicien et je suis intrapreneur. Je suis étudiant en théologie aussi. Merci. Intrapreneur. On va bloquer sur ce mot et définir pour ceux qui nous regardent. Intrapreneur. OK. Un intrapreneur, c'est... déjà, quand on n'entend pas bien, on va croire entendre entrepreneur. Voilà. Mais c'est pas l'un de la... L'intrapreneur, c'est un entrepreneur, mais qui n'a pas encore sa propre structure, mais qui travaille dans la structure d'un autre. Voilà. Par exemple... voilà, je suis entrepreneur dans le domaine du web, par exemple. Même travailler dans une société de web, mais qui n'est pas la vôtre. Voilà. Pour dire simplement qu'il est salarié. Il est salarié. Mais bon, il y a une correction. Il y a une petite différence. L'intrapreneur, comme l'entrepreneur, n'est pas salarié. Mais il est... Il intervient dans une entreprise, quand même. Oui, en fait, c'est pour dire quoi. Il est payé sur le marché, en fait. Okay, il n'est pas salarié, il peut passer 2 mois sans avoir touché de l'argent. C'est selon, c'est... Voilà, c'est fait, des conditions. C'est dit, tout à fait. Tout c'est fait sur le terrain. Justement. Pour faire simple, il travaille en tout cas, le fait qu'il dise qu'il étudie dans la théologie m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et sur ce que tu as dit. Donc ça ne m'étonne pas du tout. J'ai vraiment graspé le personnage. Tu as quoi? Alors, oui. Attends, il y a un mot ici. Tu as quoi? Graspé. Graspé. Raspé. Graspé. C'est Dieu seul qui sait si ce mot est. C'est du ping-pong. Elle est artiste, en fait. Elle est artiste. Non, mais vous êtes de toute façon, vous êtes dans le même panier. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit. Bien. Maintenant, on passe. Tu es artiste. Tu es artiste. Vous êtes artiste. Comment tu sais ça? Oh. Martha, c'est pas toi qui chante dans les karaokés. Faut pas nous grasper ici. C'est pas vrai. Pas du tout nous grasper. Allez, maintenant, on reprend la parole. Alors, et merci beaucoup. Et je tiens à féliciter vraiment Nazir, tous ces candidats qui ont participé cette année à la Coupe nationale de slam sur toute l'étendue du territoire. Ouais, avec la prestation de Nazir tout à l'heure, on a bien défini en fait le slam. Le slam, c'est pas que le test. Ce n'est pas que la scène, c'est un tout. Le slam, c'est le carrefour de tous les autres arts. Absolument. Donc, avec un slammer, vous pouvez retrouver un stand-upper, vous pouvez retrouver un conteur, un cinéaste, un chanteur. Mais quand vous arrivez à tout brasser pour pouvoir créer une mayonnaise très, très délicieuse, là, vous serez meilleur. Nazir, encore une fois, bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. De plus, quand vous prenez son test, la thématique de cette année, ça part de l'inclusion sociale. Et le test définit vraiment l'inclusion sociale du début jusqu'à la fin.
de par la marginalisation et le leadership, il a tout brassé en un. Et je tiens vraiment à féliciter aussi les membres du jury parce que... Le travail n'a pas été aisé. Hein. Oui, ça n'a pas été aisé de par les tests qu'a présenté les candidats. Félicitations à vous tous. Et la prochaine étape, ouais. Nazir va nous représenter dans plusieurs festivals dans le monde. Ah, wow, et que vous allez découvrir. Non, mais à ce niveau-là, il a besoin d'une assistante. Hein? Ah oui, vous êtes là, maman. Hé, hey, maman, attention, l'assistante danser. Non, tout ce qui est administratif, ça me connaît. J'ai fait des stages. Je ne suis pas intrapreneuse, mais bon, oui. C'est quand même là. Et puis, maman, je tiens à rappeler que Nazir, il a grandi. Ça fait que 4 ans, il a commencé le slam, de par les ateliers. Et aujourd'hui, il a ce niveau. Il est devenu joyeux. Professionnel dans ouais. ce qu'il fait. Ouais. Vous pouvez lui donner toute thématique. Il va dessus. Il va aller là-dessus. Et puis, vous sortez un personnage adéquat voilà. au test. Mm. Et il faut être professionnel pour pouvoir pour le faire. Comme il l'a dit, il est artiste. Et ce côté artiste n'est pas un don, mais plus ouais. une vocation. Pour tout à fait. Lui. Et puis, je salue également la profondeur de ces tests. Mm-hmm. Mm-hmm. Chaque test, à chaque prestation, la performance, elle est différente. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Et bravo. En tout cas, merci beaucoup, Nazir. Bravo. Franchement, on va le féliciter merci. Encore une dernière fois. Félicitations, Nazir. Il y a plein de messages qui sont venus de la part de ceux qui nous regardent pour féliciter justement le talent. Il y a quelqu'un d'autre qui dit. Par contre, dites à Martha qu'elle est ravissante. Je l'admire. Bah oui. Innocent depuis Cotonou. Merci beaucoup, Martha. Innocent. Alors, quelqu'un d'autre qui dit vraiment, ce jeune est une entreprise dans laquelle le Togo doit investir. Ah oui. Ah, c'est ça le problème ici. En commençant par celui qui a envoyé le message. Sa descendance décrit sa personnalité. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir son numéro de téléphone? Ok, il n'y a pas de souci. Oui, vas-y. On y va. Et Nazir, c'est le moment de te faire facile. Tu ne peux pas donner ton numéro comme ça. Donner le numéro de l'agent. C'est ton agent. Vous pouvez le joindre, mais sur le numéro de l'émission, bon, vous pouvez renvoyer un autre message à la fin de cette émission. Hein. Mais il peut donner les réseaux sur lesquels... Voilà, c'est justement les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Oui, déjà, sur Facebook, on peut me joindre sur Nazir officiel. Mm-hmm. Ça s'écrit comment? N-A-Z-I-R. Nazir, c'est N-A-Z-Y. C'est en hébreu, en fait. Nazir. I-Y-R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en français, c'est le naziréen qui veut dire le consacré. Oui, je vois. Le consacré, simplement. D'accord. Alors, Nazir, c'est N-A-I-Y-R. Hein, N-A-Z-I-Y-R. Voilà, N-A-Z-I-Y-R. Facebook, YouTube, Instagram, tout. Ouais. Tout le temps. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, bonjour, c'est le Stromae du Togo. Ah ouais. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je pense que nous, on n'a pas besoin de beaucoup rajouter. C'est clair et net qu'aujourd'hui, on a un talent extraordinaire avec nous. C'est un petit génie, en tout cas, et on espère qu'il va avoir une magnifique vie dans cet élan ou dans cet art qui, aujourd'hui, reste une vocation, mais clairement. On poursuit cette émission. On va recevoir nos amis, justement, d'Aftar, qui nous parlent de cet écran intelligent que nous avons avec nous. Vous vous dites, non, la pause d'Aïs, encore PC, oh, ça, télé, yé, yé, va. Non. Non, c'est pas pour nous. On veut juste vous dire de quoi il s'agit. C'est une télévision intelligente. C'est un écran de conférences, de forums, d'ateliers, de formations pour les écoles, également les administrations. Oui. Et je me rappelle très bien que lorsque vous vous retrouvez dans des forums, on a des difficultés justement à faire des projections parce qu'on n'a pas le matériel adéquat. Aujourd'hui, vous avez le tout en un, une télévision, des projecteurs, un écran tactile, également une base de données inclus dedans. Ils doivent me prendre comme comment. Non, aujourd'hui, il y a un mot plus simple qui revient tout ça, là. Atfa va vous grasper. Hey La graspologie. Si dans le contexte, mais rendons grâce à Dieu pour la vie. Allez, on va juste marquer une petite pause avec Eva et Fumi. Et juste après, on retrouve nos invités. Je veux citer Madame D. Kafui, responsable des ressources humaines de Aftar. Et puis, elle est accompagnée de Monsieur Gianni Alexis, qui est le responsable de la communication. Ce sera un bon moment, je vous promets. C'est parti. Eva et Fumi.
tu es de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent. Que tu es de gloire en gloire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, que tes rêves se réalisent. Que tu es de gloire en gloire. Anybody way won't fight you. May they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know. They don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boy. I'll be a soldier for you. I'm getting better. Vous êtes soucieux de la modernité, la productivité et l'efficacité de votre entreprise. Vous vous demandez comment éliminer le stress lors de vos réunions d'affaires, régler les soucis d'image, de sonorisation ou d'outils, équiper votre entreprise de matériel de projection performant et innovant, rendre votre entreprise compétitive sur le plan national et international. American Technology for Africa vous fournit des solutions efficaces avec sa gamme de tableaux digitaux interactifs. Ces tableaux sont tactiles et sertis de la fonctionnalité d'écriture, peuvent servir d'écran de télé et de projection, permettent la gestion de l'ordinateur à partir du tableau, sont équipés de systèmes de sonorisation audibles, facilitent les communications via Zoom, EasyCall, etc. Procurez-vous ces tableaux simples, pratiques et commodes qui s'adaptent à tout type de salle et à tout type d'endroit, école, maison, église, hôtel. Une seule adresse, ATFA. Téléphone 93 86 10 10 90 26 26 21. ATFA, les nouvelles technologies à votre portée. Portée, voilà, absolument à votre portée. Et maintenant, on fight you, may they come, they already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Monagiso, 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 my baby boy. I'll be a soldier for you, I'm getting better. Vous êtes soucieux de la modernité, la productivité et l'efficacité de votre entreprise. Vous vous demandez comment éliminer le stress lors de vos réunions d'affaires, régler les soucis d'image, de sonorisation ou d'outils, équiper votre entreprise de matériel de projection performant et innovant, rendre votre entreprise compétitive sur le plan national et international. American Technology for Africa vous fournit des solutions efficaces avec sa gamme de tableaux digitaux interactifs. Ces tableaux sont tactiles et sertis de la fonctionnalité d'écriture, peuvent servir d'écran de télé et de projection, permettent la gestion de l'ordinateur à partir du tableau, sont équipés de systèmes de sonorisation audibles, facilitent les communications via Zoom, EasyCall, etc. Procurez-vous ces tableaux simples, pratiques et commodes qui s'adaptent à tout type de salle et à tout type d'endroit, école, maison, église, hôtel. Une seule adresse, ATFA. Téléphone 93 86 10 10 90 26 26 21. ATFA, les nouvelles technologies à votre portée. Marquer une petite pause parce que mine de rien, c'est fatigant de bavarder. C'est trop, comment? Merci beaucoup à la régie. Bon, sérieusement, on a marqué une pause pour un petit problème technique, hein, rien de grave. Hein. Bien, alors justement, je souhaitais la bienvenue à M. Alexis qui nous vient d'AFTA. Oui. D'ATFA. ATFA. 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 En fait, j'aime la synchronisation que vous faites entre le T et le F. ATFA. Sinon, c'est ATFA. Donc, on aurait pu le dire comme ça.
Lui, c'est parce que vous êtes venu nous mystifier avec la mathématique. Mathématique tout à l'heure, au début. J'ai dit, je vais vous mystifier avec ma prononciation. Asfa. Ça, c'est une prononciation mathématique aussi. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui. On va parler d'écran, mais je me permets quand même de souhaiter la bienvenue à la charmante, justement. Responsable des ressources humaines à ATFA, franchement, ça doit recruter hein, de belles personnes. Bonjour, madame. Ah ouais. Bonjour, bonjour Océane, bonjour les amis, comment vous allez? Très bien. Super, et vous ce matin? Ça va? Super, parfait. Alors, on revient sur la présentation de cet écran. Je reste avec vous, monsieur Alexis. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous, on a quand même c'est une jolie télévision, bien large. Écran même. Écran Gbadja. Mmh. Qu'est-ce que c'est? C'est un écran interactif digital. Un écran interactif et digital. C'est-à-dire qu'on utilise le doigt aussi pour y écrire. Ah, OK. Alors, voilà. Et donc, c'est un écran qui a beaucoup de fonctionnalités que nous allons vous présenter ici tout de suite, si vous le permettez. D'accord. On peut le faire de toute façon. Je veux bien que vous nous rappeliez un peu les différentes fonctionnalités. Vous avez dit qu'on peut diriger cet écran avec le doigt, comme le tonton qui le fait déjà dans la télé, mais on va le faire directement ici. Voilà. Alors, je vais demander à Martha de venir. Can you just pass there and be here? I will use your finger to do it, hein? And you follow everything that he'll be saying. Can you pass derrière pour venir. Alors, Martha va être notre hôtesse pour vous aider. Dites-lui juste ce qu'il faut faire et puis elle y va. On va voir. Non, OK, tu peux faire ça. Allez, allez, en français. Elle habite à Badago. C'est ça. Alors, première chose. Tu appuies. Et voilà. Donc, une fois. Et ça affiche ce que tu veux. Alors là, en bas, tu as la barre d'outils. Tu peux appuyer ce que tu veux, maman. Là, ça veut dire que la lecture vidéo, tu peux la diriger comme tu veux. La réduire, voilà, l'avancer. Wow. OK. Faire pause. D'accord. Alors, si je veux, par exemple, aller sur un document pour rédiger quelque chose, on va rapprocher le micro. D'accord. D'accord. Pour aller sur un document, il suffit juste de cliquer sur le document en question. Alors, voilà. Là, on est parti dans un dossier. Voilà. D'accord. Donc, directement, on peut ouvrir. Vous choisissez ce que vous voudrez. D'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité de rédiger sur cet écran? Oui, bien sûr. On va rédiger, mais ce sera tactile. Okay. Alors, le clavier tactile qu'on va utiliser un peu comme sur un smartphone. Sur une page Word? Oui, sur une page Word. Vous avez là un document Word, d'ailleurs. Je peux fermer ceci. D'accord. Un document Word qu'on a ouvert. D'accord. Voilà. Sur lequel il a été écrit « American Technologies for Africa ». OK. So, Matt, je veux bien que tu puisses écrire. Donc, tu vas chercher le clavier. D'accord. Fais comme si c'était toi qui nous faisais la présentation. Bien. Maintenant, tu écris. Son mot préféré d'aujourd'hui, c'est griffeté. Grispé. Grispé. Bon, voilà. Espace. Yeah. Okay. Encore. Okay. Oh. On va se mettre sur le côté quand même. Alors, est-ce ça que se trouve où déjà? La page est déjà pleine. Donc il faut une autre page. Effacer. D'accord. Ou ouvrir une autre page. OK. Voilà. Alors, ça se passe exactement comme ça quand on va en formation ou dans les séminaires. Exactement. Parce qu'il y a toujours sur des panels certaines personnes qui veulent faire des projections ou parler de certaines... ou faire des présentations. Oui, après, bien c'est sûr. Plus technique encore parce qu'il faut expliquer étape par étape ce que vous avez comme présentation. Et cet écran est vraiment adapté. So, graphté. C'est comment tu fais elle veut écrire versatile. C'est son mot préféré. Elle cherche le A, il est ici. OK. Elle est habituée au QWERTY. Versatile. OK. D'accord. Bien. Merci, Martha. Merci beaucoup à notre hôtesse. On va la raccompagner derrière son. C'est très, très gentil. Alors, les fonctionnalités, mais plus techniquement. Je veux parler des personnes aujourd'hui qui font des conférences. À quoi ça devrait servir d'avoir un écran comme ça? Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez cet écran qui est connecté à un ordinateur, à un PC ou à une unité centrale par un câble HDMI. Mm-hmm. Et donc, projeter ici devient simplement cliquer sur le document qu'on vient de faire, Martha, comme elle l'a démontré. Alors, à une séance de formation, le formateur, le moniteur ou l'enseignant, dans une salle de classe, dans une salle de conférence, n'a qu'à cliquer sur son document, le projeter et faire les commentaires qu'il faut. Mm-hmm. Et puis, il y a une fonctionnalité qu'on appelle la fonctionnalité d'écriture, à part le tableau blanc sur lequel... Joël avait écrit. Avec qui, il y a la fonctionnalité Ink qui permet à quelqu'un
qui est dans un dossier, de faire des commentaires dans le dossier, de faire des ronds, des traits, de faire des commentaires. Donc, c'est une tâche assez facile. Ça, il y a, c'est plus vraiment un travail quand on veut faire une projection, une formation. Ça devient agréable. Voilà, et puis le formateur, il a la possibilité d'enregistrer la formation. Mm-hmm. Le professeur, il a la possibilité d'enregistrer la formation en images et de le distribuer par Bluetooth, par WhatsApp, sur les réseaux sociaux et tout, par email d'ailleurs. Mm-hmm. Alors, je veux qu'on revienne un peu sur la projection. Ça, c'est un écran. Oui. Donc, on peut projeter également dessus ou comment ça se passe? Il suffit juste de connecter une clé USB. Lorsque vous avez un dossier qui est à l'extérieur, qui est hors de l'ordinateur que vous avez connecté, vous n'avez qu'à connecter la clé USB et de cliquer sur le document. Donc, pas besoin de vidéoprojecteur. Pas besoin de vidéoprojecteur pour ce panel, mais pour les tableaux interactifs digitaux qui sont équipés d'un système de projection. Le projecteur est équipé, est mis sur le tableau en même temps à l'installation. Mm-hmm. Et donc, il suffit juste aussi de connecter votre clé USB à votre unité centrale ou au PC. Et puis, vous avez votre image, votre document, votre photo. Mm-hmm. Alors, à quoi est-ce qu'on fait exactement allusion lorsqu'on parle de fonctionnalités de sauvegarde et de distribution? Et puis, également, dans le spot, j'ai vu que vous avez parlé de conférence Zoom, quelqu'un qui est quelque part, qui est en train de participer à une conférence. On peut l'avoir directement. En fait, je veux bien comprendre, parce que nous, ici, on met la littérature, techniquement, c'est un peu compliqué, vous voyez. Et d'accord, je fais le schéma ainsi, assez simplement. Vous avez là un ordinateur, puisque cet écran est devenu le moniteur agrandi de cet ordinateur. Voilà. D'accord. Et donc, vous le voyez à la résolution de cet écran. Et donc, sur votre PC, vous passez des appels Zoom, EasyCall. Et donc, autant que votre PC est connecté, votre unité centrale est connectée, mm-hmm. vous allez sur l'application dédiée à la communication Zoom ou EasyCall, et vous l'avez affiché ici en plus grosse image sur cet écran. Okay. C'est aussi simple que ça. Ou carrément, vous mettez un dispositif de caméra de communication, les webcams, sur le tableau. Et voilà, quoi. Ça vous donne une image plus directe sur le tableau, c'est tout. C'est tout. Hein? Oui, c'est... Alors, quelle est aujourd'hui l'importance d'avoir un écran comme celui-ci? Et puis, l'autre question, est-ce que je peux l'utiliser, si je l'ai chez moi à la maison, est-ce que je peux l'utiliser comme une télévision? Oui, bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme une télévision parce que ça comporte un port HDMI qui se trouve aussi sur nos décodeurs actuels, les MP4, à moins que je me trompe. Et donc, il y a aussi un port VGA. Donc, vous avez toutes les possibilités de connecter ce que vous voudriez, que ce soit un décodeur, un lecteur DVD, unité centrale, un PC. Okay, et donc, toutes les fonctionnalités peuvent être activées. Il suffit d'avoir un technicien à côté pour faire les ajustements qu'il faut. Mmh. Voilà. D'accord. Alors, bien sûr, la semaine dernière, on avait parlé de journée porte ouverte et grande promotion. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, effectivement, c'est toujours d'actualité. Nos journées porte ouverte ont déjà commencé le 15 novembre dernier et c'est au 30 novembre que ça va finir. Et la grande promotion, ça finira le 15 décembre avec des prix à gagner. Voilà, nos nombreux prix. Nous avons des tableaux interactifs digitaux à gagner. Comme celui-ci. Voilà, des projecteurs de haute gamme. On peut gagner ça là. Tout le gros facilement comme ça. Non, pas facilement. Ah, pas si facilement que ça. Parce que si c'est à gagner, nous, on garde ça en même temps. Non, en tout cas, pas si facilement que ça. Je crois qu'elle va donner les détails. OK. Voilà. Dites-nous. Vous devrez participer à notre jeu Tombola. D'accord. Okay. Voilà. Au niveau de la boutique, à Adido Gomi, Sauviépé. Voilà, notre boutique se trouve en face de la pharmacie Bethel. Oui. Donc, durant la promotion, nous avons 25% de réduction sur nos tableaux, 10% sur nos ordinateurs, voilà, 20% sur les tableaux avec projecteur, voilà, et 10% aussi sur les clés USB, les ordinateurs, les PC portables et tout. Voilà un peu les grandes surprises qui vous attendent. Voilà. En fait, c'est vraiment Noël avant l'heure. Oui, oui, en fait, disons qu'à ATFA, nous avons décidé d'anticiper sur Noël. C'est-à-dire que nous voudrions offrir aux enfants une image plus grande, plus nette, plus visible de Papa Noël ou de Maman Noéline. J'aime bien. Merci. D'accord. Et donc, mais pour compléter un peu, mais aller en contresens avec ce que vient de dire Cafui, c'est facile de gagner nos prix. Ouais. Parce que notre jeu tombola, il faut voir, il faut y venir.
faut voir de quoi il s'agit. Exactement. Alors, je veux être sûre d'avoir compris. Ce sont des journées portes ouvertes, donc quand vous venez pour visiter, donc ça veut dire que vous venez pour visiter ou prendre connaissance justement de ces écrans, des ordinateurs, des projecteurs et d'autres articles informatiques qui sont mis à disposition pour vous, vous avez la possibilité de repartir avec un ticket tombola. Voilà, c'est ça. Donc, vous n'avez pas obligation d'acheter. D'acheter. Non. Pas du tout. Vous avez un ticket tombola. Venez visiter et vous aurez droit à un ticket tombola. Parfait. Mais après, vous reviendrez pour acheter tout ce que vous voulez. Parce que vous reviendrez, ça c'est clair. C'est évident, Est-ce qu'on peut me rappeler rapidement le siège de ATF? Mais avant d'y arriver là, je voudrais donner une précision. Et si vous venez à notre journée porte ouverte et que vous voulez bénéficier de notre promotion, il est mieux pour vous, lorsque vous avez un projet d'acheter 2 ou 3 tableaux, par exemple, il est mieux pour vous de faire une réservation en même temps au cours de la promotion, bénéficier des réductions qu'on a avant de revenir avec le ticket. Et si possible, vous gagnez un autre tableau, ça veut dire que vous avez un achat de moins. Ça c'est sûr, bravo. Franchement. Oui. Merci beaucoup. Je voulais poser une question tout azimut. Moi, un artiste, en quoi l'écran-là sera utile? D'accord. Vous avez certainement un artiste comme le monsieur qui vient de partir, doit avoir un studio d'études. Ah ouais. Sauf si je me trompe. C'est ça. À moins qu'il soit doté d'une capacité au-delà de la capacité des génies. Alors, dans votre studio, il doit avoir certainement un écran. Ah oui. Mais alors, je voudrais qu'on réduise un peu la tâche qu'on donne à nos yeux actuellement, qui sont déjà fatigués de voir certaines lumières qui n'ont pas été filtrées. Ouais. Heureusement pour nous que les écrans interactifs digitaux ont leur luminosité assez filtrée pour ne pas faire mal aux yeux. Super. Et donc, ça ne lui fait pas de mal qu'il ait ces mots, quand il écrit un vers, par exemple, ou un poème, qu'il l'ait. Voilà. Tout le monde peut voir versatile depuis sa position. Oui, oui. Mais si c'est un PC qui est ici, de leur position, ils ne peuvent pas voir versatile. Je vous décore. Voilà. Merci. Comment t'as recruté même? Magnifique. Je vous décore. C'est magnifique. Ouais. Alors, un numéro de téléphone, mais avant ça, je vous lis quand même ce message pour la pause. Coucou, salut. La vie est coquine. Que l'écran là est bondé. Lui quand même, c'est un frère. Ouais, parce que là, mon langage, mon vrai langage. C'est un beau frère, il n'a pas comme mon mari. Mais l'écran est juste extraordinaire. Franchement, c'est top et révolutionnaire pour l'avoir. Alors, sur quel numéro, justement, on peut avoir plus d'informations? Un instant aussi, s'il te plaît. Désolé. Vas-y. Je voudrais juste encourager notre frère qu'il vienne. Je ferai tout ce qu'il faut pour lui réserver des tickets stratégiques. Celui qui vient de répondre, celui qui vient de créer le message. Si c'est ça, vous allez devoir réserver pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu, franchement. Alors, le numéro de téléphone. Le 93 86 86 10 10 10 10 le 90 90 26 26 26 21 21. Alors, on va répéter le premier encore une fois, le 93 86 oui 10 10 10 10, oui, et le 90 26 26 21. Voilà. Alors, à TFA, c'est situé sur la grande voie d'Adido Gomé. Justement, comme tu l'as dit, c'est Sauvier-Pé. Sauvier-Pé. Adido Gomé, Sauvier-Pé. Voilà. Juste en face de la pharmacie Bethel, juste à côté de la Banque Atlantique. Vous ne pouvez pas vous perdre. Hein, puis vous avez trouvé un bel emplacement. Quand il s'agit de banque, là, on ne se perd jamais. C'est là-bas qu'il faut chercher. Là. Merci. Bien. Dernier mot. Oui. Disons que nous avons tellement de surprises. Mais je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que ce tableau ou cet écran dispense des dépenses colossales que nous faisons. À la fin de l'année, faites le calcul des achats de craie, des achats d'encre, de marqueurs d'encre. Oh. En plus, on peut l'avoir sur des années. Sur des années. Et voilà quoi. Plus vivante, plus vivace et plus viable qu'une petite télé. Autre chose. Voilà. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication à ATFA et vous êtes accompagné de madame Dekafui, qui est justement la responsable des ressources humaines. Et nous, on se retrouve pour les journées portes ouvertes. On rappelle rapidement la date. Les journées portes ouvertes, c'est déjà du 15 novembre au 30 novembre. Et les grandes promotions se poursuivent jusqu'au 15 décembre. 15 novembre au 30 novembre. Et puis, 15 décembre, vous allez faire le plein dans vos tenues de papa, maman, Noël, Noël. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci. Allez, on poursuit maintenant. On va parler de bouffe et de mode. Je ne sais pas comment, mais je pense que les deux-là vont bien s'entendre derrière la table en cuisine. On part pour pause diète et défi mode. Mettez les couplets, les couplets. Merci. We'll be right back.
y a un petit problème. On parle de manger. Voilà. Alors, on parle de manger. Oui. Donc, c'est à l'assistance de décider de qui reste et qui part. À condition que... Oui. Atefa nous laisse l'écran s'ils vont manger. Bah, à vous de voir. Monsieur Alexis. Je peux avoir le micro. Disons que j'ai toujours souhaité, et je l'ai dit dès le premier jour, que vous veniez au centre. Disons que nous allons tout faire pour vous faire sentir dans notre monde. Monsieur Alexis, vous descendez. Oui. Vous partez. Parce que vraiment. Non, c'est bon. On va accompagner Monsieur Alexis. De toutes les manières, que je ne descende pas, venez, un accueil chaleureux vous y attend. C'est mieux même. Oui, c'est comme ça, c'est mieux. Bon, vous restez avec nous quand même. Alors, merci. Monsieur Yannick. Oui, Océane. Boma. Ça sent bon, hein, ton Boma, là. Tiens, bon. Faut mettre ça à côté de Boma, comme ça, les gens vont bien voir. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la pâte téliban. Mm-hmm. Voilà, accompagnée de... Pâte téliban, pâte noire. Accompagnée de Boma. Mm-hmm. Voilà, qui est faite par la structure African Root. Mm-hmm. Non, c'est pas Martha. Moi, j'ai dû ça à la cuisine à enlever les... Donc, voilà, au départ, je voulais dire, quand vous allez à une invitation, il y a une entrée et tout ça, mm-hmm. on vous donne des trucs, voilà, la presse, pourquoi il y avait la présence des pop-corn sur la table. Oui, les amuse-bouches depuis, je veux savoir. Pour agrémenter vos bouches avant mais d'avoir le plat de résistance. Mais pourquoi il y avait des pop-corn et tu n'as pas partagé à nos invités? Oui, justement, c'est pour, c'est en fait, c'est pour partager. Mais voilà, donc... Alexis. Voilà, des pop-corn donc, qui viennent de Letty's Pop-corn. Une structure qui est spécialisée qu'en pop-corn, tout genre de pop-corn, dans ce que vous voulez. Ce sont les fêtes en plus. Et ouais, voilà, et vous oui, contactez le numéro dessus. Pour les fêtes d'anniversaire. Alors, voilà. Ce que j'ai observé tout de suite, c'est que c'est des pop-corn au lait, et puis vous en avez également qui sont colorés. Mais il y a d'autres types variétés. De pop-corn, d'autres variétés, au besoin. Caramel, voilà, oui, vous appelez le numéro là-dessus. Et puis, okay. C'est quoi le numéro? Le 96-50-20-83. 96-50-20-83. Bonne période pour commander des pop-corns pour les tout petits enfants parce que bientôt ils seront à la maison. Exact. Il faudra les occuper, surtout les amuser. J'ai une question. Ah, voilà. J'ai une question par rapport à la sauce. Oui. C'est combien de pièces? Combien de pièces? Boma, combien de pièces? Ouais. Bon, en fait, la pièce, tu choisis ce que tu veux. Mais ici, il y a aquama, il y a crevettes, il y a poisson fumé. Voilà. Mais tu peux ajouter ce que tu veux. C'est ça, il fallait dire depuis longtemps. Ah oui, mais c'est ça, non? Bon, il y a quoi d'autre dans la glacière? Est-ce qu'il y a toujours Boma? C'est toujours Boma avec Téliban, accompagné de Téliban. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une question. Donc, en fait, pour toi. Oui, dis-moi. Alors, pour commander tout ça à African Root, comment on fait? D'abord, est-ce qu'il y a un service de livraison? Oui. Est-ce qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24? Parce que depuis un bon moment, mon mari et moi, on a faim dans la nuit. Problème. Et puis, bon, oui, comment stop. On se fait livrer? Bon, en tout cas, ils ont un service de livraison. Ils sont sur Gozem, bientôt sur Kaba. Okay. Et vous pouvez les contacter au numéro 93 65 26 39. African Root. Ou 98 60 84 67. On répète un peu. 93 65 26 39. Ou le 98 60 84 67. Et les gens ont du mal à écrire. Il faut bien appeler distinctement. Vas-y. Attends, je vais lire. Merci beaucoup, Martha. Je sais pas. 93 65 26 80. Quoi, ouais. Marta, Alors, le numéro, c'est le 93 65 26 39 et le 98 60 84 67. Voilà, si vous avez envie de vous faire livrer du bon... Ça, c'est du Téliban. Ceux qui nous regardent depuis le Bénin, accompagné de Boma. C'est du Téliban avec Boma, pièce comme vous voulez. C'est parce qu'on African Root. Mala, souvent. Bon, ça, je pense bien. Mala. Je pense. Bah, c'est ça. Alors, et puis, merci. En plus... Oui, un message. Demain, nous allons débriefer le blouse à Ouvlaya de Mama. Donc, soyez câblés. Voilà. En plus, je voulais profiter, parce que j'en ai pas le temps. Il y a un monsieur depuis Tablibo qui a fait des porte-clés pour la pause. Wow. Je voulais, voilà, donc... C'est où? Oui. Donc, non, mais après... Non, mais tu gagnes non, mais... Attends, je vais t'aider. Merci à lui, en tout cas. On va rendre l'antenne. Merci beaucoup à la réalisation pour cette belle émission. Je veux juste dire merci à M. Alexis, à Mme Café également. Merci à Miss Martha. On n'a pas parlé mode aujourd'hui, mais on va rattraper de toute façon. Yannick, merci beaucoup. Ouais, on va merci à Tonton pour les portes-clés. On va garder ça jalousement. Un grand merci à la réalisation. Gros bisous, Joël. Merci, mon unique. Et merci, Monté en bilan. Bye, bye. À demain.
la pause.